À tous les taureaux, bonjour, ici l'horoscope pour les taureaux pour le mois de novembre 2016. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Vénus, c'est la maîtresse de votre signe. Vénus, c'est la maîtresse non seulement de la balance, mais aussi du taureau. Et Vénus va faire des choses un peu intenses. Vénus va faire un conjoint avec Pluton. Et Pluton, c'est une énergie très très profonde, très authentique, très transformative, très intense. Ça, c'est positif. Mais les négatifs plans, c'est manipuler, séduire, contrôler, tout ça. On ne veut pas ça, naturellement. On veut apprendre des choses qui sont positives et faire des choses qui sont positives. Mais ce Vénus et Pluton se trouvent dans votre 9e maison. Et ça, c'est une maison excellente. C'est une maison très très gaie. Donc, c'est le moment pour les taureaux, pour s'amuser. C'est le moment pour aller au cinéma. C'est le moment pour lire des livres qui, peut-être philosophiques, peut-être de l'astrologie, et étudier quelque chose, et transformer parce que vous étudiez quelque chose très très profond. Ou bien voyager, c'est le moment pour faire des voyages, si vous pouvez. Si vous êtes célibataire, on peut rencontrer quelqu'un aussi. Quelqu'un très très intense, cette relation sera très très intense. Donc, ou faire quelque chose de culturel, ou avoir des rencontres ou des connexions avec les gens de l'étranger, ça aussi. Et ça peut changer non seulement sur le plan très profond, mais aussi sur la vie quotidienne, parce que ces planètes, ces deux planètes, Vénus et Pluton, font un carré avec Jupiter dans votre 6e maison. Et la 6e maison, c'est votre santé et c'est aussi votre vie quotidienne. Donc peut-être vous allez lire quelque chose, vous allez étudier quelque chose, ou vous êtes docent, vous êtes professeur ou n'importe quoi, et vous dites quelque chose à vos étudiants, et vous allez apprendre aussi. Vous allez apprendre quelque chose de nouveau qui est si profond et qui va changer votre vie sur le plan quotidien. Et aussi, ça peut donner on peut dire, accélérer le, on peut dire, accélérer votre esprit pour être plus sur bonne santé. Parce que la 16e maison, c'est aussi la maison de votre santé. Donc, améliorer votre santé, c'est idéal pour commencer ça. Parce que ça va. On peut commencer je sais pas, des régimes ou des fêtes de fitness ou quelque sorte comme ça. Mais un peu plus. Oui, on fait ça une semaine et puis c'est stop. Non, maintenant, ça a l'énergie très très profonde et longue et on peut profiter de ça. Et voilà, chers taureaux, je vous souhaite un très bon mois et à la prochaine, au revoir.